What's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu as les choses bien. Aujourd'hui, on va parler des jambes. Programme jambes en split. Mon programme jambes en split. Alors, j'ai fait un split avec toi à la maison. J'ai pas fait les jambes. J'ai reçu plein de messages par rapport à ça. Et il est temps pour moi de répondre à toutes ces questions-là. Les gars, moi, mes jambes, elles sont fragiles. J'ai mal au genou. J'ai vraiment mal au genou. Ça veut dire qu'il y a certains exercices que je peux pas faire, comme les fentes, les squats. Et ça, voilà, c'est une base d'exercice primordiale pour bien travailler les jambes, surtout à la maison avec des haltères. Donc, je ne peux pas te proposer un programme jambes sans squat et sans fente à la maison. C'est très, très dur pour moi, donc je ne l'ai pas fait. Mais je vais te montrer comment je pallie à ça en salle. Parce qu'en salle, j'ai aucune excuse et je peux pousser mes jambes efficacement. En général, quand je fais les jambes, je m'échauffe soit avec les escaliers, soit avec du vélo. Entre 5 à 15 minutes. Tout dépend de ma forme, tout dépend de comment je me sens. Ça m'aide à m'être bien et préparer mes jambes au combat. Et c'est important, comme j'ai des douleurs, j'ai pas envie que ça s'empire. Je veux faire ça bien, sachant que là, on va déménager, on va essayer de trouver un club pour faire du sport en équipe. Il faut que mes jambes y tiennent, sinon c'est mort. Donc je vais faire ça bien. Premier exercice, leg extension à la machine. Alors moi, je suis dans un Honor, j'ai une machine Hammer leg extension, mais tous les leg extensions sont pareils. Je suis juste allé là parce que voilà, j'aime bien celle-ci. Je fais 6 séries de 10 ou 12 répétitions. Je fais pas 4 séries, mais 6 séries. Pour être bien, pour rester longtemps dessus et pour bien développer mes quads. Comme les exos que je peux pas faire, et ben les exos que je peux faire, je reste longtemps dessus. Et bien entendu, mon temps de repos, il va varier au niveau de moi, au niveau de ma fatigue, au niveau de ma forme. Donc, j'ai un temps de repos de base de 1 minute 30 en général, mais ça peut durer 2, 3, 4 minutes, tout dépend ma fatigue. Encore une info sur ce type de machine et d'exercice. Quand c'est une machine Technogym ou une autre machine que celle-ci, j'aime bien bosser en unilatéral. Ça veut dire avec une jambe, je vais en faire 10, l'autre jambe, je vais en faire 10, et après, je vais faire 10 avec les deux. Là, le problème, c'est que c'est une machine où on est dans une position où soulever avec une jambe, eh ben, c'est pas adapté. C'est plus une machine pour bosser avec les deux jambes. Mais sur les autres leg extensions, j'aime bien faire ça parfois, faire du 10-10-10. Toujours en 6 séries. Deuxième exercice, le leg curl. Alors, les gars, j'ai trouvé un leg curl incroyable à Honor La Défense. Incroyable. Un leg curl unilatéral où tu es dans une bonne position et tu sens vraiment bien tes ischios bosser. Il y a plusieurs leg curls. Ok? Ça bosse les ischios quoi qu'il arrive. Si t'as pas cette machine-là, prends le leg curl où tu es assis ou le leg curl où tu es couché. Ok? Sur le ventre. C'est pareil, sauf que moi j'ai la chance d'avoir ça. Donc je suis bien. Je fais 6 séries, 10, 10 répétitions tranquillement. Et ce qui est bien, c'est que bosser en unilatéral, ça favorise le développement musculaire, selon moi, surtout quand on a des points faibles. Et comme dans le futur sport que je vais faire, j'aurai besoin de courir, besoin d'être vif. Et ben, c'est important d'avoir des bons ischios. Troisième exercice, un exercice que je kiffe vraiment, que j'ai appris à aimer avec le temps, le soulevé de terre, jambes tendues. Très, très bon exercice pour les ischios. Les ischios, c'est mon point faible, donc je dois les matraquer. Par contre, pour le soulevé de terre, jambes tendues, c'est soit je le fais à la barre, soit aux haltères. Là, je l'ai fait à la barre pour la vidéo. Moi, pas se mentir, je fais beaucoup plus aux haltères. On a plus d'amplitude. En plus, c'est un mouvement auquel j'ai gagné en souplesse de fou. Parce que maintenant, debout, je peux toucher mes chevilles. Enfin, je peux toucher mes pieds. Vraiment, sans m'accroupir et tout. J'ai gagné en souplesse de fou avec cet exo. Et parfois, ça m'arrive de prendre un step, histoire de chercher beaucoup plus loin dans l'amplitude. Tu vois, et ça, c'est bien. Pour avoir une très bonne amplitude, pour être bien recruté, plus de fibres musculaires. C'est important. D'ailleurs, quand à la fin du mouvement, tu reviens bien droit, tes épaules bien en arrière, tu bosses aussi ton dos avec ça. Donc, c'est vraiment un exercice de fou. Soulevé de terre, jambes tendues, j'essaie de faire 6 séries, 10 répétitions, parce qu'arriver à 12, ça fait mal,
Et puis voilà, on est bien. En général, sur ça, mon temps de repos est un peu plus long parce que c'est un exercice qui use quand même. Et on poursuit avec les mollets. Franchement, les mollets, c'est important. Les machines mollets sont importantes. Là où je suis, il y a la machine mollet assise et une machine mollet debout. Je préfère la assise. Elle est beaucoup mieux et je me sens bien quand je la fais. Les mollets, pour moi, c'est important de les bosser parce que j'ai mal au genou et j'ai pas assez de muscles dans les mollets et dans les quads et ischios pour bien soutenir mon genou. Donc, je dois faire les mollets. Les mollets, c'est important, les gars. C'est important pour les faire grossir naturellement. On va dire, ça va être plus à être génétique. Mais pour les renforcer, il faut le faire. Le renforcement musculaire n'est pas génétique. Le renforcement musculaire, eh ben, tu le bosses. Quoi qu'il arrive, tu deviens plus fort en bossant. Même si je pense que, on va pas se mentir, les gens sont forts naturellement. Mais on peut tous se renforcer. Ça se voit pas le renforcement musculaire. C'est pas du volume. Donc on fait ça bien. Ce que j'aime bien faire, c'est faire 4 à 5 séries de 15 répétitions. Et le temps de repos en général, il est fixe sur les mollets. En général, mes séances jambes, c'est les séances où parfois je bosse mes abdos et mes lombaires. Donc, c'est des séances où soit je fais des relevés de jambes, soit je fais des crunchs. Tout dépend de mon humeur, mon énergie. Parce qu'on va pas se mentir, les abdos, les bosser tout le temps. Il y a une part de flemme, je te cache pas. Mais il y a aussi une part de tu n'auras pas des abdos en faisant que des abdos. Ok? Quand tu as déjà des abdos, quand tu as déjà ta ligne, quand tu es déjà tracé, quand tu sais déjà comment tes abdos sont et tu les as déjà eus, eh ben, tu vas les retrouver avec la diète. Et tu vas pas les retrouver avec des abdos en faisant 100, 1000 abdos et tout. Non. Même si que j'aime bien faire 4 fois 10 reps, 4 fois 15 reps ou 4 fois 20 reps. Tout dépend comment je les fais. Mais voilà, les abdos, c'est plus la diète. Mais c'est bien d'en faire aussi parfois. Histoire d'être bien gainé et de rester propre, c'est important. Pour les lombaires, c'est différent, faut vraiment les bosser. Faut vraiment, vraiment les bosser. Les problèmes de dos, ça arrive, ça peut venir. Surtout quand on fait les jambes, bon, notamment le soulevateur jambes tendues, le squat, la presse et tout, on peut avoir des coups aux lombaires. Donc, renforcer ses lombaires, c'est important. Même dans la vie de tous les jours, renforcer ses lombaires, c'est important. J'aime bien faire 4 fois 10-12 reps tranquillement. Repos, une 30 à 2 minutes. Et tu peux prendre un poids pour tes lombaires dans la machine pour avoir un meilleur ressenti d'exo. Donc, voilà pour les exercices que je fais pour les jambes. Malheureusement, il n'y a pas de squat, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de fente. Ce sont des très bons exercices qui vont bousiller tes jambes, muscler tes jambes et te mettre bien. Mais malheureusement, pour mes genoux, je ne peux pas les faire. La seule chose que je peux faire, c'est renforcer mes genoux en travaillant les muscles qui sont autour, comme les quads ischio mollets, histoire d'être bien et d'avoir du muscle qui supporte un peu le genou. C'est important. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, mets un petit j'aime. Mets un commentaire, c'est important. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.